nuit d'insomnie, mon regard devient lourd, comme un fou qui se perd au cœur d'Internet à travers l'amour. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans Lost Souls, le portrait ensorcelé, épisode 6 de l'édition Collector, et aujourd'hui, nous avons toujours perdu le petit Billy. Il est perdu, il est enfermé dans les tableaux de Poudlard, absolument délicieux. En même temps, il est bien entouré, hein. Si les... À Poudlard, je crois qu'il y a les tableaux, ils peuvent aller d'un tableau à l'autre, hein. Et s'il peut aller voir la petite fée, là, ou la vieille, ou là, c'est quoi, ça? Waouh, on dirait un mélange entre l'elfe qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux et Dobby, quoi. Ah, je veux même pas y penser. Enfin bref, dans tous les cas, allons sauver Dobby en attaquant directement le château de Etiel. C'est parti. Brosse. C'est bon. Pénétrons dans le manoir noir. Ok, même pas de bonjour, même pas de rien, y'a personne pour nous accueillir et y'a la tombe de George R.R. Martin. Très bien. Eh ben, c'est un peu la violence. Je ne peux pas l'atteindre. Très bien, le piaf. Ah, une planche. Ah ah. Merci. Excellent. Nous sommes plongés dans les terres obscures, absolument délicieuses, avec le château qui est tellement métal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce levier à la con? Ah ah! Ouais, ça les éclaire, c'est ça. Etiel, t'es où? Je sais que c'est toi qui as kidnappé Dumbledore! Tout est ta faute! Alors, voyons voir. L'argent! Récupérons l'argent d'Etiel déjà pour commencer, ça lui fera les pieds. Oh putain! Non, reviens. Oh! Oh, un fragment de peinture brisée! Etiel, petit cachotier! Moi, je trouve ça métal, il me fait penser au méchant qu'il y a dans je sais plus le nom de ce Castlevania. C'est Castlevania avec Jonathan et Charlotte. Ah, putain, avec le vampire qui n'est pas Dracula, mais qui utilise le pouvoir des peintures et qui est complètement métal. Ah, putain, il est très stylé ce vampire en plus, mais je me souviens plus de son nom. Bon, rangeons la merde. Alors, une Francisque, alors je sais que c'est une hache. Ah, c'est ça. Ça doit être ça. C'est ça, la Francisque, très bien. Larve, des dés, des épées, chauve-souris, serpent. Alors une épée. Deux épées. Oh, c'est pas une épée, ça c'est une dague de merde. Et ça c'est une épée courte. Chauve-souris et serpent. On le trouvera. Un scarabée. Une montre à gousset. La montre à gousset, où est-elle? Bon, là de l'argent. Là il y a une croix satanique. Montre à gousset, très bien. Très bien. Une tomate. C'est tout rouge, c'est facile à trouver. Des noix, des larves et des dés. Les dés, ils sont là. La larve, elle est là. Les noix, c'est des cacahuètes, mais on va dire que c'est des noix, il n'y a pas de problème. Le centaure, il est sous le papier, il est dessiné, impeccable. La deuxième et dernière chauve-souris. Elle est là, la chauve-souris Batman, impeccable. Un peu de la triche, si tu veux, mon avis, mais bon, on va pas se plaindre, on l'a trouvé. Et enfin, le serpent. C'est pas cette corde? Non, c'est bon, tu me baisses pas. Ça, c'est le serpent? Non, c'est pas le serpent. Il est où le serpent? Il est là. Impeccable. Castlevania Portrait of Ruin. Merci. Le portrait de la ruine. Et j'ai obtenu une Francisque. Ben voilà! Voilà de quoi lui péter la gueule à Etiel. Hein? C'est bien un nom pourrable, ça, Etiel. Si vous appelez Etiel, voici toutes mes excuses. Etiel, t'es où? Je te défonce! Donne-moi les... Donne-moi les fragments de ta peinture. Il manque quelque chose ici. Ah ah! Yes! Il me manque le fragment qui me permet d'avancer.
très bien, demi-tour. Ok, RIP George Young. Ah bah il est mort vieux le con. Ah ah, le cimetière. Première chose à faire, désacraliser les tombes. Le cercueil est fermé par des clous, fuck. Bon bah déjà prenons l'argent. Prenons ça. Excellent. Ce cobra n'a pas l'air commode. Ah bah il a l'air vénère, c'est sûr. Yes, un crâne. Métal, ça. La prison, allons-y. Oh putain, Dumbledore. Mais c'est le deuxième. C'est pas le premier. Le premier, il est mort. C'est le deuxième, celui qui a fait le film 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et demi. Soyez très prudente. Cet endroit est terriblement dangereux. Ah non. Soyez très prudente. Cet endroit est terriblement dangereux. Mais pourquoi vous êtes là? Vous êtes pas un mage, vous êtes con ou quoi? J'ai résisté à Étienne et j'en paye maintenant le prix. J'ai quand même pu découvrir son terrible secret. Aidez-moi et nous le détruirons ensemble. Ok papy, je vais faire ce que je peux, mais je promets rien. Alors, je prends de l'argent, je prends ça. Cette cage est un piège à souris. Très bien, je prends ton bouquin. Oui, là, il y a un passage secret. Là, il y a une souris. C'est une corde solide. Ok, ça c'est une flûte. Ah ah! Je reviens. Voilà. La vuvuzela. Un crâne. Yes. Yeah. Ah ah! Yes! On pénètre! Une main! J'étais sûr que c'était sur la liste. Carte, bague, chat, étoile, clé, lunettes, clou, haute forme, fer à cheval, bourdon, pyramide, main. Donc la main, c'est fait. Il peut y en avoir une deuxième, voilà, très bien. On met une bague, une clé. Une carte. Une autre clé. Bac, chat, étoile. Ah, voilà le chat. Il est là, le mignon. Il est trop mignon. Baf dans la poche. Rien à foutre, je le range. Alors, le chaton, il est rangé. Voilà l'argent. L'argent absolument délicieux. Lunettes, clous, haute forme. Alors, à haute forme, où est-ce qu'on trouve la haute forme? T'as l'effet flipper cette... Avec le vieux symbole satanique et tout. Bon, je trouve pas la haute forme. Clé, fer à cheval, bourdon, pyramide. Bourdon, c'est un bâton magique. Ou alors c'est un... Ou alors c'est l'insecte, mais... Les étoiles sont probablement des pentacles, Bob. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Bien vu. Ah ah! Putain, ils me disent même plus s'il est caché ou pas, quoi. Je fouille, chers amis. J'essaie d'être vigilant. Alors, lunettes, clous, haute forme, bague, en voilà une autre. Et ça, c'est une bague? C'est une bague, super. Ça, c'est rien du tout. Ça, c'est du sang. Ça, c'est une poupée, mais elle est vénère. C'est pas un bourdon ça, non? Ça c'est une grenouille. Arrêtez de cliquer n'importe où, pardon madame. Sur le crâne, là, la petite pintable, le petit pintacle, les lunettes, les clous, le fer à cheval et le bourdon. Le haut de forme il était là, bah putain je suis complètement con. Ça c'est les clous rouillés avec le bon vieux tétanos dessus, impeccable. Ça je vérifie, c'est pas ça, non très bien. Lunettes, fer à cheval, pyramide, bourdon. La pyramide est là, c'est cool. Les lunettes, elles sont là. Un bourdon pour voir la couleur octarine. Oui, il me faudrait le bâton maintenant, ce serait cool. Ou alors le bourdon ou l'insecte, mais... J'ignore ce qu'ils veulent dire. Et le fer à cheval... Le fer à cheval, où est-il? On va le trouver, hein. On va le trouver. Ah, le fer à cheval est dans la tombe. Très bien, et
pas celui-là. Ah, c'est ça. C'était bel et bien le bourdon, d'accord. Mes excuses, je cherchais un bourdon magique, je cherchais un bâton, j'étais en cohérence avec le lieu, mais en fait, non, c'était le bourdon. Et j'ai la clé de la bibliothèque, excellent. Parfait. Putain, c'est Castlevania l'endroit. Et Tiel, je viens de chercher, il est pas là. Mais il a un cadavre, c'est quand même swag, hein, avec un morceau de tableau, un crâne à qui il manque un œil, un couteau, un autre morceau de tableau, bien vu l'aveugle, encore un autre, et je crois que c'est le dernier. Yes! Ah ah! Impeccable. 16. Non, ça manque de bouquins, très bien. Je n'ai pas tous les bouquins, impeccable. Des planches, condamné par des planches, ça ne sert à rien, très bien. Je peux ranger ce bordel, allons-y. Rangeons, rangeons. Alors, le pied de biche, il est là. L'oignon, il est où l'oignon? Que je me le carre dedans, il est là. Le bracelet, il est là. C'est quoi ça? Un masque mojo? Un masque mojo jojo étrange. Très bien. Le luth, il est là. La clé, elle est là. Le pot, il est là. La lettre D. La lettre D doit être mieux planquée que ça. Je tomberai dessus avec de la chance un peu plus tard. Beetle, non. Le trèfle, il est là. Le peigne, où est-il? Alors, le parchemin est là, ça c'est cool. Et le gobelet, j'avais vu le gobelet, il est tout petit, il est là. Très bien. Le scorpion, il est là, il était facile à trouver. La croix, le peigne, le collier est là, c'est cool. La tête de poisson est là, impeccable. Impeccable. The D, je cherche the D. I want the D, where is the D? Et le D était là, il était caché en dessous, très bien. Le peigne, le peigne, le peigne, le peigne. C'est pas ça. Je m'attends à ce qu'il soit planqué. Ah ah, juste là, et enfin la croix catholique. Ça doit être soit une toute petite croix, soit une giga croix. Ah ah, la voici. Impeccable. Et le pied de biche, encore une fois, le pied de biche du dragon. Impeccable. Pied de biche du dragon, le meilleur ami de l'homme, en l'occurrence de la femme. Des chiffres. Je sais pas ce que je vais en foutre, mais je sais ce que je vais en foutre. Ah ah, une clé. Je m'attendais à un cadavre, mais ça fera l'affaire. Clé des fers. Ah merde, demi-tour. À la prison, Dumbledore, tu es libre. Oh. Écoutez-moi bien, vous devez réussir à descendre dans le cachot, c'est là qu'Étienne garde prisonnière les hommes qu'il a volés. Si vous les libérez, il sera détruit. Clé de tiroir, merci mec. Métal, métal. Auré, auré. Merde, non, reviens. Oh, je prends tout. Oh là. Et ça, c'est une burette d'huile. Qu'est-ce qu'il faut que je huile? Je sais pas, mais je vais ranger l'intérieur de cet endroit d'abord. Alors, l'objet de torture, il est là. Les fleurs, je cherche ces fleurs-là. Elles sont là. Très bien, très bien. La potion, elle est là. La boîte d'allumettes, elle est ici. Le truc, il est là. La trappe-rêve, il est là. Cette mythe va pas être évidente à trouver, hein. Ah bah si, elle est là, impeccable. Les pinces, elles sont là. Le champignon, il est là. Les baies, elles sont là. Le chat, il est tellement mignon ce chaton. Tellement mignon ce chaton. L'argent, il est là. Le dragon, j'avais vu le dragon, il est là. Il était bien planqué. La fiole de sang, elle est là. La larve répugnante, elle est là. Le bout des crocs du masque. Voilà, le cœur est là.
Et le bout des crocs du masque... Là, juste là, sur la table. Très bien. Impeccable. Une pince. J'aurais pu torturer Dumbledore. Quel dommage. C'est pas grave. Y'a rien d'autre à cliquer dans cette zone. Fermé par des clous. La pince m'aide pas à... Ah, voilà. Impeccable. Pardon, monsieur. Merci, bon courage, bonne nuit. Victoire. Ah, ah ! Un passage secret ! Alors, courage, on y est presque, les enfants, on y est presque ! J'y crois, j'y crois ! Une fourchette ! Un rasoir, c'est pas un rasoir, ça, très bien. Un lézard, un œil. Ne cliquez pas n'importe où, nique ta mère, je clique si je veux. Garde l'efficacité d'un homme qui clique n'importe où. Garde ça, j'ai cliqué n'importe où. J'ai balayé la moitié du truc, j'ai cliqué n'importe où. Je suis un ouf. Je suis un dingue. Deux corbeaux. Deux corbeaux, ils sont là. L'araignée, elle est où? Peter l'araignée, il est où? Il est où Peter l'araignée? Il est où? Il est là, c'est une migale, elle est adorable. Et enfin le lézard, un 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 lézard, il est là le lézard, impeccable, et voilà, c'est réglé, bam, 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 méga pif, invincible Lennon, invincible. Super, qu'est-ce que t'as à dire Dumbledore? Rien du tout, c'est ça, ferme ta gueule et laisse-moi sauver le monde. C'est bien qu'un incapable, tiens. Alors. Aha. Ah ouais, forcément, ça ne range rien du tout. Essayons un peu, j'essaye un peu tout au pif, hein. Je range, chers amis. On y croit, il faut savoir que j'ai fait ce jeu d'une traite, hein. Vous, vous regardez l'émission sur Fanta of Games, mais j'ai tout tourné d'un coup, je suis un ouf. Le jeu est en train de me tuer psychologiquement, mais c'est pas grave. J'y crois à mort. Je porte tous les espoirs de Billy, tous les espoirs de la France. On y est, impeccable. Et c'est juste ben, un tableau d'une table en bordel. Impeccable, encore un truc de Chaos Emerald de fou. Je prends. Il manque l'objet. Encore toutes les clés, malheureusement. C'est trop étroit pour y passer la main. De l'huile, gamine. Oh, j'y croyais pas, mais je suis content que ce soit passé. Tiens. Oh, ça t'apprendra, et voilà. Tu passeras le restant de tes jours dans cette prison et tu mourras. Impeccable. C'est ouvert, allons-y. Oula, 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 oula. Oula, 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 oula. Ok, donc j'imagine, c'est sûrement dans cette sphère magique qu'est-ce qu'elle retient les âmes prisonnières. D'accord. Et il avait un truc de chaque élément, c'est pour ça qu'il était allé dans chaque tableau. Il a récupéré le pouvoir du feu, le pouvoir de l'eau, le pouvoir de la forêt, le pouvoir sous-marin et le pouvoir souterrain. Impeccable. Enfin, le pouvoir du froid, pardon. Pas le pouvoir de l'eau. Très bien, très bien, très bien. On est à deux doigts de le coffrer, ce fils de chien. Quelque chose. Il y a quelque chose qui me manque sans doute. Tiens, prends ça. Ah bah tiens, du sang et ça fait disparaître la chauve-souris. Excellent. Je dois d'abord mettre tous les cristaux à leur place. Excellent, d'accord. C'est bon à savoir, c'est ça? Yes! Yes! Déjà deux cristaux magiques.
Alors, à quoi peuvent me servir les pinces? À quoi peuvent me servir les pinces? Réfléchis, Bob. Les pinces. Qu'est-ce que je peux bien foutre avec les pinces? Les pinces. Un indice! Ah ah! La planche secrète! Ben putain, fallait la voir celle-là! Le jeu, il est quand même un peu bullshit de temps en temps, je tiens à le dire. Bon, eh ben, ça m'a pas l'air très sorcier. Voilà. Je vous fais pas l'affront de commenter ce que je fais, hein. Bien évidemment, vous savez tous compter jusqu'à 10. Ça devrait pas être trop dur. Même Lennon ne sait pas compter jusqu'à 10 apparemment. Et il va devoir tous taper. Impeccable. Impeccable. L'histoire d'un Lennon qui ne savait pas compter. Et qu'il va devoir se taper 3 ans de repassage. Voilà. Le Lennon qui n'avait plus de cerveau. L'histoire de sa vie. Allez, et voilà. Impeccable, le caillou magique rouge, super. Excellent, excellent. Et ça ne m'avance toujours pas pour les pinces. Avec ces pinces, qu'est-ce que je peux faire? Je peux extraire quelque chose. Ah ah! Et ouvrir la Vierge de Fer, yes! Et un Chaos Emerald supplémentaire. Et je peux ranger cet endroit, allons-y. Une pièce. Une autre pièce. Ah merde! Ah le planctage! Heureux, chers amis, heureux, je disais donc, les pinces, voilà, la Vierge de Fer, voilà. Le Chaos Emerald, voilà, le rangeage, et allons-y. Alors, nous rangions donc, je disais, la coccinelle. Le symbole. Le symbole. La plaque. Le tournevis, non. L'argent et l'argent. Le crâne. Le symbole étrange dessiné avec la bite sur le mur. Le... Ok, le chaudron rempli de pognon, pas de problème. L'idole moche. Les placadés pour le jeu. L'insecte terrible. Les anneaux pour les couilles. Le pain. Le pain, il est là. La chauve-souris, elle est là. Mais je l'avais vue depuis longtemps, celle-là. J'y faisais juste pas attention parce que c'était facile. Là, le crâne, il est là, le crâne, la pince, elle est là, et il manque cette espèce d'objet bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Un coupe-ongle, un mesure-pied? Je suis circonspect, chers amis, C'est ça, c'est cet appareil. Bon, bah ok, je sais pas ce que c'est, mais... L'œil! Endroit terminé! T'es bientôt fini, Étiel, mon salaud! Yes! Yes! Yes, 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 yes! Nique tes âmes! Nique ta mère Étienne, t'avais qu'à respecter l'ordre du juge! Tu toucheras plus jamais à mon fils, il est à moi! Je vais me reproduire avec Bibi!
cosmos. Tous ces efforts intérieurs duquel inutile face à mon psychopouvoir. Yes, Billy. Tu es moche, Billy, mais tu es sauvé. C'est impossible, mon psychopouvoir! It's finally over. We're home, and we shall never part again. Oh, ça part en inceste direct! À vous les doujines! Merci à vous! Merci d'avoir joué! Mais y'a pas de problème! Y'a pas de problème pour que Billy finisse entre les deux. Enfin, finisse entre les deux doudounes! 2000 Flenon, c'est un plaisir! Et voilà, crédit! Andrew Lushkov, Saikolov, Nikorienko, Nikolai Korienko. Mais d'accord, c'est des Russes! Tout s'explique! C'était des Russes! Putain, c'était des Russes! On le savait! Victoire! Buffy contre les vampires! Mais là, c'était buffer les boobs! Et on passe par ces nuls à chier. Et voilà, chers amis, c'était Lost Souls, le portrait ensorcelé pour une fin complètement pourrie. Mais pour une aventure pleine de rebondissements, est-ce qu'on peut acheter des trésors? Combien on a? 52 pièces. Ça coûte 20, ça coûte 15, ça fait déjà 35. Plus 12, ça fait 47. J'ai plus que 5 pièces, ah là là. Bon, je veux le tableau. Je veux le poisson rouge, bubule 27. Le globe. Et je veux le cacaoutès. Rien. Graine de piaf. Impeccable. Je n'ai plus d'argent, mais au moins c'est stylé et l'endroit est bien rempli. Voilà. Voyons voir les bonus. Ah d'accord, ça te permet de télécharger des fonds d'écran quand même. Waouh. Mais elle va se marier avec lui. Oh, c'est stylé. Ça, c'est classe. Ça, c'est classe. Bon, ça, c'est classique. Oh, putain, Dumbledore avec Made Overwatch, quoi. Et Etiel, il est tellement là, Etiel. Bon, bah... Métal, mode libre. Oh, c'est mignon. Et je peux aller où je veux, du coup. Je pensais que je pouvais aller là-bas et tout ça, et... Attendez, je vérifie juste, hein, je me promène, un mode libre, on en finit, chers amis. On sait. Ah, il faut tout recommencer, non, nique sa mère. Voilà, impeccable. Donc du coup, mode libre, personnage, ébauche et économiseur d'écran. Il y a un économiseur d'écran, t'es sérieux? Waouh. C'est stylé, hein. Tu le trouves pas sur Steam, ce jeu, mais il coûte pas très cher. Il est pas débile, il est sympa. Enfin, je suis sûr qu'ils en ont fait d'autres. Si jamais ça vous plaît, on peut faire ça. Mais regarde-moi ces doudounes. Mais oh là 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 là, avec son espèce de foulard infini, quoi. Stéroïne de jeu vidéo, ça veut rien dire. Etiel est stylé, par contre. Qu'est-ce que c'est que ce design, mais ralatecha. Ouais, les modèles finales ont fini par pas trop ressembler à ça, mais bon. C'est classe. Ça, c'est les personnages et les ébauches. Fais voir les ébauches. Oh là 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 là. Cette direction artistique, les enfants, j'avoue. J'avoue, moi j'adore les styles comme ça, tout pourri, mais c'est super. C'est super. Regarde ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Cette église. Oh là 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 là. Victoire totale, chers amis. Victoire infinie. Le petit Billy est sauvé. Sauvé par sa maman. Et il se retrouve à l'infini dans le tableau éternel où ils pourront vivre de leur amour et jouir de leur plaisir. Oh, avec Dobby à gauche. Dobby Litandriel. Dobby a une harpe. C'est tellement adorable. Sur ce, chers amis, je vous remercie d'avoir regardé cette petite série. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine. Allez zou, je vais pas farm les pièces restantes, j'aurai rien à péter. Des bisous à la prochaine et pouce bleu si vous avez aimé cette série et surtout si vous en voulez une autre. Allez zou.
Welcome to the Dragon Realm. It isn't safe here right now. A full force eruption is imminent.